Ben voilà, c'est le signal du top départ. Nous y sommes, je vous l'ai annoncé depuis déjà plusieurs jours. Le tournoi des 10 pour cette période des fêtes, c'est ce que nous vous offrons avec 8 candidats qui nous ont rejoints ici sur le plateau, parmi les meilleurs bien entendu, puisqu'ils ont remporté au cours des années 2019 et 2020 eh bien, les 10 victoires. Un très beau tournoi en perspective avec du grand match. J'aimerais tout d'abord vous présenter sur ma gauche, donc sur votre droite à l'écran, les 4 têtes de série que nous avons classées selon le montant des gains qu'ils ont remportés. Ces têtes de série, je vous les présente. Nous avons tout d'abord Corentin, Gilbert, Jérôme ainsi que Ludovic qui nous ont rejoints pour ce tournoi des 10. Merci d'être là. Face à vous, les têtes de série, eh bien, il y a les challengers. Ils ont également remporté 10 victoires et j'aimerais vous les présenter. Il y a Karine, Cyril, mais aussi Nicole ainsi que Ludwig. Un beau tournoi en perspective qui commencera par les matchs de quart de finale. Nous allons déterminer quel sera le programme de ces matchs. Et pour cela, eh bien, Ariel, bonjour. Bonjour, vous allez tirer au sort le nom des adversaires. Premier match de quart de finale pour rencontrer Corentin. Qui est tiré au sort? Premier match de quart de finale contre Corentin. Tout de suite. C'est Ludwig. C'est Ludwig. Corentin contre Ludwig. Deuxième match de quart de finale, cette fois-ci pour rencontrer Gilbert. C'est bien fermé, hein. Ouais, ouais. Nicole. Nicole contre Gilbert. Troisième match de quart de finale. La tête de série, c'est Jérôme. Qui contre Jérôme? Cyril. C'est Cyril. Et puis donc, le quatrième, Ludovic. Voilà. Voilà, contre eux. C'est parfait. Voici le tableau, le programme de ces quarts de finale qui vont se dérouler pour ce tournoi des 10. Après le tirage au sort et la main innocente d'Ariel. Quoi, pourquoi vous souriez, Ariel? Mais si, elle est innocente. Corentin contre Ludwig, Gilbert contre Nicole, Jérôme contre Cyril. Et puis le quatrième match de quart de finale. Vous êtes prêts les uns les autres? Vous aussi chez vous? Eh bien, c'est parti, très bon tournoi des 10. Générique. C'est parti donc pour ce tournoi des 10 avec le premier match de quart de finale. Et donc à l'affiche aujourd'hui, Corentin contre Ludwig. J'aimerais souligner la présence de ces candidats. Vous remercier tout d'abord de participer à ce tournoi des 10. Corentin, vous êtes la tête de série. Vous êtes d'ailleurs parmi le groupe de 8 candidats, celui qui a remporté le plus de gains, puisque lors de votre passage, c'était septembre-octobre 2019, montant de vos gains. 7 800 euros. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Alors, record de gains et peut-être la jeunesse aussi. Vous avez quel âge, Corentin, on peut vous le demander? J'ai 19 ans. 19 ans. Vous voyez, comme c'est remarquable. Cumule tout. Face à Corentin pour ce match de quart de finale, Ludwig est avec nous. Montant de vos gains est un peu inférieur. Hein, vous étiez à 3 600 euros à l'époque. Êtes-vous prêts l'un et l'autre? Oui, tout à fait. Prêt? On va commencer par le sésame, bien entendu. Vous rejoignez les buzzers, Corentin et Ludwig, et c'est un sésame de chiffres pour vous. Bon match, bon tournoi. Tirage. 10, 25, 6, 3, 5 et 9. 614. 'Pas facile, mais après tout, vous êtes des champions. Oui, donc étonné, voire même un peu déçu, peut-être. Peut-être. 25 x 3, 75, moins 5, 70, x 9, 630, et 10 plus 6, 16, 630, moins 16. Bon, ben voilà, c'était la réponse sur ce Une César qui ne sera pas attribué. Vous avez de la chance, on vous offre tout de même des chocolats malgré ça. Jeff de Bruges vous offre de savoureuses fêtes de fin d'année, gourmandes et chocolatées, et vous offre cet assortiment gourmand composé d'onctueuses douceurs en chocolat. Et c'est parti, voici la première manche. Le
Le challenger choisi en premier, c'est la règle. C'est donc Ludwig. Combien de voyelles ? 3. Tirage. L, T, C, R, R, D, O, N, I, U. Ludwig. 6. Corentin. 7. Avec quel mot ? Conduit. Oui, un autre. Duction. Non. Non. C'était cul noir, l'autre, qui est chez Bertrand. Moi, j'ai cul doré, cul brun, qui est un bon bix, cul rouge. Un cul noir. C'est le cochon. Qui est pêche. Je crois. Oui, hein. Le cochon, oui. Le cochon, oui, hein. Mais il faut vérifier. Enfin, bon, peu importe. Oui, accord. En tout cas. Bon. Vous avez un cochon qu'on vérifie ? Il y avait 2 7 lettres. Voilà. Très bien. C'est Corentin, donc, qui a trouvé 7. La deuxième proposition était refusée. Il n'y aura pas les 2 points de bonus. Coup de chiffre maintenant. 6, 6, 1, 10, 3 et 10. 174. Résultat, Ludwig. Comptez bon. Corentin. De même. Allez-y, Ludwig. 10 x 3, 30. 30 x 6, 180, moins 6. Il n'y a pas de problème, Corentin avait le résultat de la même manière. De la même manière, oui. Très bien, 10 points essayés, c'est parti pour Ludwig dans ce match de quart de finale du tournoi des 10. Vous êtes sur quoi ? Sur votre cul noir, c'est ça, Bertrand ? Je suis sur mon cul noir. Oui, non, ça n'a rien à voir avec les cochons. Ah ! Non, c'est une tache noire qui apparaît sur les fruits quand ils commencent à un peu à pourrir. Bon, très pas bien. Mal, voilà. On l'apprend. Ben. Nous enchaînons avec un coup de lettre à venir. C'est Corentin qui choisit. 4 voyelles, s'il vous plaît. Tirage. G-O-S-O-C-U-U-R-J-T. Corentin ? 8 lettres. Oui, Ludwig ? 6. En 8, Corentin ? Toujours. Alors un autre, peut-être ? Malheureusement, non. Courju. Ah oui. Ludwig avait bien commencé avec court, mais il n'a pas vu. Bon, ah, oui. Il pensait le court-circuit, hein, le courju, bien sûr. Oui, oui. Et donc, toujours, toujours c'est extrêmement courant, mais rare dans notre émission de l'avoir, ce mot. Très c'est, rare. C'est bien joué, Corentin, un mot de 8 lettres. Corentin joue ce match de quart de finale en tête. Score de 25 à 10. Le compte est bon. 5, 7, 3, 7, 8 et 3. 129, on est dans les 100. Mmh. Corentin. Non, je ne l'ai pas, 130. Vous êtes à un prêt, Ludwig. Comptez bon. Allez-y. 8 x 7, 56. 5 moins 3, 2. 56 et 7, 63. 63 x 2, 126. 126 et 3.
Bravo. Oui, vous avez compliqué. Bravo, mais vous avez compliqué la table des 3, 43 fois 3, ça allait tout seul en 3 opérations. Oui, c'est bon. Le principal, c'est qu'il est le résultat. Oui, voilà, oui, bien sûr. Bravo, Ludwig. Bah oui. Ils aiment à s'améliorer tout de même. Oh, vous savez, vous apportez toujours ce bémol comme ça. Et le bémol, Ludwig, il n'aime pas. voilà. Ludwig, combien de voyages ? Oui, à un moment, il fallait la faire. Oui, oui c'est oui. assez loin, c'est mais c'est pas mal. Oui. 3. Tirage. E, M, V, N, N, O, C, U, R, N. Ludwig. 7. Combien, Corentin ? Pareil. Votre 7, Ludwig. Convenu. Oui, vous l'aviez tous même. Les deux. Hein, Corentin avait le même. Il y avait reconnu, méconnu et mucroné. C'est un terme qu'on utilise en botanique. C'est une plante qui se termine par une pointe. Oui, donc 7 aussi ? Oui, 7. 7 à chaque fois. Il n'y avait que 2 7 lettres. Parfait. Les scores sont augmentés. 32-27. Le compte est bon, tout de suite. 4, 2, 7, 8. 7 et 25. 869. Ludwig. À deux près, 71. Oui, et vous, Corentin ? 867. À deux près aussi. Aussi, oui. Bon, on va prendre celui de Ludwig, allez. Oui. 8 fois 4, 32. 25 et 2, 27. 27 fois 32, 864, plus 7. Oui, vous marquerez 7 points. J'étais à 870. Et Renardo, bah oui, évidemment, a vu ce qu'il fallait faire. La table des 11, 7 plus 4, 11. Et donc, 25 moins 2, 23. 8 fois 7, 56. 56 plus 23, 79. C'est un peu vicieux. Et 79 fois 11. Ouais. Et vous savez, c'est un tournoi des 10, donc je pense que le, ce 11, tirage de chiffres, il est au niveau du tournoi. Oui, oui, hein. C'est ça. Ça va, Corentin et Ludwig ? Oui. Ouais. Oui, évident, oui, très bien. Ça va. Ouais, non, c'est pas évident, d'autant que, si je peux me permettre, vous entrez dans le dur tout de suite. C'est-à-dire que, voilà, c'est le premier match, vous revenez, vous avez déjà joué, certes, mais vous revenez et dès le premier match, vous rencontrez un candidat qui a joué déjà, qui a remporté 10 victoires. C'est le champion des champions, quand même. Oui, mais c'est assez serré. Hein. Ne vous laissez pas impressionner. On va essayer. Corentin, vous pose une question. Combien de voyelles ? 4. Tirage. U, T, E, A, G, V, I, S, P, V. Corentin. 6 lettres. Ludwig. J'ai un doute sur le 7. Pistage. Ah, vous avez un 7. C'est bon. Pistage, un autre ? Non. Ah, ça te commençait bien. Puisage. Ah, ben je ne savais pas non plus. Bon. Là, et suavité. Mais il y avait un 8 lettres dans les Alpes-Maritimes. Teigné. Oui, plus j'étais. L'adjectif qui se rapporte. Oui, Puget sur Argens. Puget sur Argens, soit dans le Var. Moi, si j'ai pas pu. Moi aussi, j'ai pensé à ça, mais on dit que c'est Puget Teigné. Bon, voilà. Ah oui, aussi, il y a bien. Eh oui. On va pas contester. Non, pardon. Oui, oui, bien sûr. Et le pistage d'un animal, par exemple, quand vous chassez. Ouais. Mais les mots H, des fois, on ne sait jamais. Oui. Oui. C'est vrai. Proposition en 7 lettres et mais pas les deux points de bonus sont importants. Il est important ce pistage. Vous êtes à 41 actuellement, Ludwig. Corentin est mené, 39 au compteur.
pas de beaucoup, certes. Corentin, et pour vous, Ludwig, coup de chiffres à venir. Le voici. 10, 10, 9, 6, 2 et 7. 359. Quentin. 358. Ludwig. Comptez bon. Allez-y, Ludwig. 7 x 6, 42. 42 moins 2, 40. 40 x 9, 360. 10 sur 10, 1, j'enlève. Ouf, ouais. J'ai eu de peu, il y avait beaucoup plus simple, mais je dirai à Corentin plus tard. Ouais. Bon, en tout cas, c'est un très beau match hein, pour Ludwig, oui. Qui avait quelques doutes encore il y a quelques instants, en jouant contre Corentin. Bah, pour l'instant, vous terminez cette première manche en menant avec ce score de 51 à 39. Tout va se jouer maintenant dans ce match de quart de finale. Voici la deuxième manche. Les duels, bien entendu. Main sur le buzzer pour Corentin et Ludwig avec les quatre propositions. L'écart est mince, vous le voyez. Hein. Il y a 12 points de différence entre vous deux. Voici une première proposition. Vous vous affrontez sur un thème. Et c'est Jacqueline Lenné qui habite Dinard en Ille-et-Vilaine qui vous propose ce duel. Un soldat ou une soldate doit le faire. Le tirage. R-I-E-R-L-A-T-A-C-U. Oui, là, son lit au carré. Oui, le lit au carré, bravo. Alors effectivement, c'est du jargon militaire, hein, faire le lit au carré. Il y a des tutos très bien faits d'ailleurs sur Internet, j'ai vu ça. Un régiment de gendarmerie qui propose une façon de faire le lit au carré. Pourquoi ? D'abord parce que c'est ordonné. Parce qu'il n'y a pas de plis et les militaires ne sont pas les seuls à faire les lits au carré. Dans les grands hôtels, les hôtels de luxe ou aussi à l'hôpital, on fait le lit au carré pour éviter les plis. Mais j'ai découvert qu'il y a aussi le lit en batterie. Attention, il faut plier les couvertures au carré et il faut rouler les draps et les mettre en croix. Vous avez fait ça, Laurent ? Oui. Et Bertrand ? Non. Non ? Ah ouais ? Non, mais moi, je rentrais chez moi tous les soirs. Oh, planqué. Planqué. Bon, et puis, alors, bien entendu, Corentin, lui, n'a pas connu ça non plus. Ludwig non plus. Mais moi, mon père est militaire, donc il m'a un peu... Ah, voilà. Oui. Et alors, lit au carré à la maison ou J'ai du mal, j'avoue. Mais c'est quand j'ai déjà fait faire un lit, c'est impeccable. Non, je ne suis pas doué là-dessus. Voilà. Je passe le bonjour, d'ailleurs. D'accord. Il ne regrette pas. Hein. Sans remords. Non, bonjour quand même. Hein. Voici maintenant le deuxième duel. Après les 10 points remportés par Ludwig, voici le duel d'orthographe. C'est Manon qui l'a envoyé. Elle habite dans l'Indre, à Saint-Benoît-du-Sault. Comment écrit-on agnostique ? C'est Ludwig qui a la main. A-G-N-O-S-T-I-Q-E. Oui. Bravo. Vous auriez dit, oui. J'ai l'impression, oui. Alors, qu'est-ce que c'est l'agnostique ? C'est a privative et l'agno, c'est la connaissance. Donc, c'est le fait, un agnostique, c'est quelqu'un qui ne peut pas accéder à la connaissance de tout ce qui est transcendant. Il peut accéder à la connaissance de l'expérimental, de ce qui fait partie du monde matériel, mais il ne peut pas accéder à la transcendance, voilà, à l'inconnaissable. Bon, c'est là où on voit que nous avons affaire à des candidats qui ont déjà remporté des victoires. On sent qu'il y a une technique dans le buzzer. J'aimerais simplement vous rappeler, Corentin et Ludwig, que vous jouez, vous, le premier match de quart de finale. Il y en a trois autres encore à suivre, puis après les deux demi-finales et la finale. Et donc, j'aimerais bien qu'on ménage un petit peu le matériel. Voici, ceci étant dit, voici maintenant le troisième duel du calcul mental. Christophe Martin habite Vitry-aux-Loges dans le Loiret et nous propose les opérations suivantes. 736 divisé par 32 fois 5, moins 19 divisé par 32, plus 732. Oui, allez-y, Corentin. 735. Oui, bravo. Très bien.
Alors, comment fait-on la première opération? 64 divisé par 32, ça fait 2. Donc, 640 divisé par 32, ça fait 20. Et il nous reste 96 à diviser par 32, c'est-à-dire 3. 23 fois 5, 115, moins 19, 96, divisé par 32, on revient à 3, plus 732, 735. Et non pas la tentation de dire 736 de nouveau. Voilà, 735. Et c'est Corentin qui a trouvé la bonne réponse sur ce duel de calcul mental. Bien joué. Les points pour vous, 10 exactement. Voici maintenant le quatrième et dernier duel. C'est le l'un dans l'autre, bien sûr. Bertrand. Jean-Pierre Girardin, de Jarre-sur-Mer, en Vendée, vous demande de trouver un célèbre pianiste. C'est le nom propre. Un sous-vêtement, non, ou même un vêtement féminin. C'est le nom commun. Le tirage. T-I-R-U-B-N-I-E-S-N. C'est Corentin qui a la main. Rubinstein et bustier. Le bustier, voilà, oui, qui est un corsage ou un sous-vêtement, comme on veut, à condition qu'il n'y ait pas de bretelles. Arthur Rubinstein, on écoute. Cette phénoménale virtuosité, ce vieux monsieur s'est peut-être pris dans Arthur Rubinstein, l'amour de la vie. Ça, c'était la troisième sonate de Brahms qu'on a entendue. Hein. Donc voilà, il avait plus de 83 ans, il a joué jusqu'à 89 ans, il commençait à être aveugle. Et il est mort à 95 ans, j'allais dire en pleine forme. Voilà, juif polonais de naissance, à une époque où la Pologne n'existait pas, éducation allemande, Brahms, Beethoven, Chopin, évidemment, le polonais. Il a à peu près tout joué, éducation française, culturelle française, et puis aussi amour de l'Espagne et du Portugal, de l'Espagne qui lui avait donné un passeport au moment où l'Espagne était neutre pendant la Première Guerre mondiale. Ben oui, il fallait bien qu'il aille quelque part, il donnait déjà une multitude de conseils. Donc, éblouissante carrière, et maintenant, on l'a un peu réhabilité, il était un peu trop mondain, on l'a réhabilité, c'est un immense pianiste. Merci Bertrand. De la grande musique et un coup de théâtre pour terminer ce match de quart de finale, puisque vous le voyez, c'est Ludwig, donc le challenger, qui remporte ce match de quart de finale face à Corentin, qui était tête de série avec un score de 71 à 59. À un moment, vous n'y aviez pas cru pendant la première manche? C'est au niveau des lettres. Après, je sais que c'est mon point faible et c'est qu'il prenait de l'avance. Et j'étais étonné, même sur certains comptes, je les ai trouvés dernière minute. Puis après, la confiance et, bon, et de la chance aussi, le buzzer là-dessus. Voilà. Ouais. Donc, je suis surpris. Pour remporter ce premier match de quart de finale. Alors, ce n'est pas terminé parce qu'il y a les mots de la fin à venir dans quelques instants. Corentin, on a été heureux de vous retrouver. Moi, j'ai peur que vous soyez, ne le soyez pas. Ne soyez pas déçus. Non, je ne suis vous pas déçu. Pas non. Très non. Content de revenir sur le plateau et... Ouais. Voilà. Faiblesse en chiffres aujourd'hui. Oui, voilà. Oui, effectivement. Ouais. Oui. C'est ça qui vous a perdu. Oui. Je vous rappelle que Corentin était challenger, il a quand même remporté 10 victoires, 7800 euros. Il n'a que 19 ans et Bertrand lui dit oh, c'est quand même aujourd'hui. Bah oui, bon, parce qu'il pas terrible. Il ne nous avait pas habitués, hein, le garçon. Voilà. Vous resterez spectateur durant ce tournoi et puis on compte sur vous pour les prochaines années. Là, acteur et champion également, puisqu'à 19 ans, vous avez encore le temps de revenir pendant bien longtemps. Merci en tout cas, Corentin. Merci. À suivre dans un instant, bien, ce seront les mots de la fin avec... Ah, il y a le cadeau que j'avais oublié pour Corentin. Cadeau pour vous. Gardez un temps d'avance sur la météo. Vous gagnez une station météo couleur Lacrosse Technologies, leader et expert français des prévisions météo. En même temps, si vous voulez un coup. Voilà, une info météo, vous m'appelez aussi. Ça marche. On se retrouve pour les mots de la fin dans un instant. À tout de suite. Ce soir sur France 3. Scandale en perspective. Pas bien entendu. Si, si, vous avez bien entendu. Moi, je suis en pleine forme. Wow. Bébel n'en fait jamais assez pour vous plaire. Imbécile. Oh. Assez joué. Et il n'en fait jamais trop pour vous impressionner. Jeux olympiques ou pas, français ou pas, tu es allé trop loin. Pardon. L'As des As, encore et toujours dans une forme olympique. Ce soir à 21h05 sur France 3. Vous venez, Ludwig, de remporter le match quart de finale de ce tournoi des 10. Vous jouez les mots de la fin. Donc maintenant, comme d'habitude, 8 mots vous sont proposés, 100 euros par mot que vous trouverez. Il n'y a pas de sésame.
Vous, personne ne l'a remporté pour ces mots de la fin. Êtes-vous prêt, Ludwig? Oui. On y va avec un chronomètre. Tout d'abord à 2 minutes et un premier tirage pour trouver un mot de 7 lettres. Top. Passe. 8 lettres. Passe. 9 lettres. Passe. 10 lettres. Débouchant. Oui. 100 euros. 1,30. 7 lettres. Passe. 8 lettres. 4-1. Oui, 200 euros. 9 lettres. Étirable. Non, c'est non. Pas étirable. 10 lettres. 1 minute. Castration. 300 euros. 7 lettres. Panneau. Non. 8 lettres. Passe. 9 lettres. Passe. 7 lettres. 20 secondes. Passe. 10 secondes, 9 lettres. Batelière. Batelière, oui, alors je valide. On est à 400 euros. Alors là, sur le dernier dixième de seconde. Donc, vous avez un peu moins de boulot, Ariel. Il reste 4 mots. Alors, quand même, une naso, molleton, une adhérente, mitigée. Et enfin, castration. Et l'essentiel est d'avoir remporté ces matchs de quart de finale du tournoi des 10. On le retrouvera un petit peu plus tard, Ludwig, pour les demi-finales. Et puis, prochain match de quart de finale, ce sera Gilbert contre Nicole. Un grand merci pour votre fidélité. Passez de bonnes fêtes, on se revoit très vite.